on a beaucoup regretté que Deschamps ne donne pas davantage sa chance à Ben Yedder sur les matchs de l'équipe de France. Et on l'a dit avant le match, Ben Yedder, il avait une occasion quand même ce soir. Ouais. Il a été transparent. Donc là, pour le coup, il n'a pas marqué des points. Quand même. On l'a attendu au tournant, mais il n'en est pas sorti. Quoi. Non, mais je trouve qu'il a, il s'est pas rendu vraiment disponible. Sur les occasions de Séville, il n'est nulle part. Sur aucune occasion de Séville. Voilà, il y a Sarabia, il y a Correa, mais il n'y a pas Ben Yedder. Je trouve que c'est ce qu'il propose un peu depuis qu'il a Séville. Il est vraiment bon quand Séville est une équipe dominante qui joue proche du but adverse et il est là, on parlait de Renard des surfaces, et justement il est là pour couper des ballons, pour planter le but qu'il faut face à Leganés, face à Retafe, face à Bilbao, mais face au gros, il a du mal. Face au gros, juste. Oui, allez-y. Non, mais pour revenir par rapport à ce qui s'est passé en équipe de France, sauf que l'histoire de Ben Yedder, c'est pas ça le problème. Didier Deschamps, il a un avis sur Ben Yedder depuis des années. Il a le droit. Mais non, mais parce que. C'est toi-même qui dis Karine. Non, parce que vous dites que le Séville, ils ont un problème, c'est que devant, il n'y a rien. Non, je dis qu'il y a un déficit de talent devant. Ce que je veux dire, c'est que c'est injuste de dire ça. Tu voudrais avoir un déficit de talent en équipe de France. Sauf que je trouve ça injuste ce soir après le match. De dire, vous voyez, Deschamps, il a raison. Parce que j'ai pas dit que Deschamps avait raison. J'ai dit que Ben Yedder, qui est un joueur que j'aime voir évoluer, il ne s'est pas aidé lui-même parce qu'il était déjà très en retard, en effet, dans l'esprit de Deschamps, et qu'il avait une occasion ce soir et qu'il ne l'a pas saisi. Mais Deschamps, il a son idée, de toute façon, sur Ben Yedder. Sur ce match-là... Mais tu ne dois pas le juger que sur ça, Ben Yedder. Je suis désolé. C'est que globalement, je pense que Ben Yedder n'a pas sa place en équipe de France et n'a pas le niveau. Donc, il ne fallait pas le prendre et pas être hypocrite. Je ne te parle pas du jugement de Deschamps, je te parle du mien. Je trouve que c'est un bon avançant, mais que ce n'est pas un avançant d'envergure internationale.